Platon a désormais 10 ans. Nous sommes sur cette année 2020 qui est cette année anniversaire. Et c'était donc extrêmement important pour nous de réunir tous ces acteurs qui gravitent autour de Platon, que ce soit nos collègues du ministère de la Culture, les différents collègues de la Bibliothèque nationale de France, que ce soit en particulier le département des systèmes informatiques et du Centre Exception Handicap, et vous tous qui êtes les utilisateurs actuels et on l'espère à venir de Platon. Alors, comme vous le savez, cette journée était initialement prévue comme une journée physique. On a essayé de la maintenir le plus longtemps possible sous cette forme-là. Nous avons quand même été rattrapés, comme tout le monde, par l'actualité sanitaire. Et cette journée a du coup été transformée en un événement totalement virtuel. Alors, à quelque chose, malheur est bon, puisque ça permet très certainement à certains d'entre vous qui n'auraient peut-être pas pu se déplacer jusqu'à Paris et jusqu'à la BNF d'assister à cette rencontre. Et nous sommes 118 inscrits, même si pour l'instant il y a encore 90 personnes, 93 personnes connectées. Et nous sommes ravis de vous compter en aussi grand nombre à cette journée d'utilisateurs de Platon. C'est une journée qui est d'autant plus importante, même si je déroulerai ensuite les objectifs que nous fixons à cette journée, que nous savons que ce contexte de confinement n'est pas le plus favorable à la circulation de l'information et aux échanges. Et c'était donc d'autant plus important que de pouvoir maintenir ce temps de discussion, de renseignement, de questions entre vous, utilisateurs de Platon, et le Centre Exception Handicap qui le gère. Platon, vous le connaissez tous et toutes, c'est l'un des dispositifs qui a été créé suite à la loi DAFSI, loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information de 2006, pour soutenir ce travail d'adaptation des ouvrages en direction des publics empêchés de lire que vous meniez tous les uns les autres. Et c'est toujours en premier lieu une plateforme dont l'objectif était de faciliter la demande de fichiers sources des éditeurs, mais aussi d'en mutualiser l'usage auprès de tous les organismes, qu'ils soient inscrits ou agréés pour leur utilisation. La loi pour la liberté de création, l'architecture et le patrimoine de 2016 a permis d'élargir le propos et les objectifs de Platon pour en faire un outil qui soit un outil de recensement des adaptations que vous pouvez réaliser, mais aussi de versement et de mutualisation de toutes ces adaptations numériques qui sont votre œuvre. Et je tenais à vous rendre ici un hommage tout particulier à vous, spécialistes de la transcription, institutions en contact avec le public empêché de lire, et notamment, mais pas que, les bibliothèques, qu'elles soient de lecture publique ou les bibliothèques universitaire. C'est vous qui êtes en contact quotidien avec les bénéficiaires de l'exception handicap, c'est vous qui connaissez toutes leurs contraintes, toutes leurs difficultés, tous leurs besoins. C'est vous aussi qui alimentez Platon, à la fois par vos demandes en direction des éditeurs, mais aussi en y versant, en y signalant les adaptations que vous réalisez. C'est vous qui lui donnez toute son utilité et tout son sens concret. Et nous sommes à bien des égards qu'une coquille vide sans votre action de tous les instants au plus près de ses besoins, de ses bénéficiaires. C'est en tout cas ensemble que nous arrivons, mais que nous arriverons toujours mieux à remplir cette mission qui nous tient tous à cœur, de pallier cette faible proportion de livres accessibles dans l'édition commerciale. Mais nous espérons tous, avec les avancées permises par l'Union européenne, que nous allons pouvoir progresser dans ce domaine, mais en tout cas ainsi de permettre au public empêché de lire d'accéder à la culture et simplement. Mais on sait très bien les uns les autres que le simplement recèle de grandes difficultés de poursuivre la scolarité pour ceux d'entre vous, ceux des bénéficiaires qui sont dans cette situation. Se réunir aujourd'hui, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour nous, je l'ai rappelé au tout début de cette introduction, l'objectif, c'était de faire un bilan de ces 10 ans de fonctionnement de Platon avec ses utilisateurs.
Platon, c'est à l'heure actuelle 120 000 demandes de fichiers et éditeurs, c'est 19 000 dépôts de fichiers adaptés. Le service est plus récent, mais il démarre très bien. Ce sont 92% des demandes auprès des éditeurs qui connaissent une réponse, qui obtiennent une réponse et le versement d'un fichier source. C'est aussi un outil de mieux en mieux pris en main par chacun d'entre vous et en particulier par les organismes agréés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas beaucoup à faire, à beaucoup à faire pour mieux faire connaître Platon, notamment aux bibliothèques, et c'était l'un des objectifs que d'atteindre, voire de dépasser ce chiffre de 300 bibliothèques actives dans Platon, d'améliorer la récupération des fichiers adaptés, et ce sera tout l'enjeu et tout le sujet de l'atelier de cet après-midi, mais aussi d'améliorer notre action en direction des éditeurs pour atteindre, si possible, ce chiffre de 100% des demandes satisfaites et toujours, si possible, en améliorant les délais. Nous savons très bien que le temps, le fait de raccourcir le délai est un des enjeux et notamment dans le domaine scolaire. Tous ces chiffres, vous les retrouverez, ils ont été publiés dans le rapport 2019 du Centre Exception Handicap que nous venons de mettre en ligne sur le site de la BNF. Donc nous vous fournirons les références au cours de cette journée. Ce rapport, c'est à bien des égards celui du Centre Exception Handicap, mais il est important pour nous de le compléter par vos propres bilans, par vos propres retours. Et c'est vraiment l'un des objectifs pour nous de cette journée, de connaître vos besoins sur ces prochaines années concernant Platon dans son périmètre actuel, mais aussi dans son intégration à venir dans un écosystème plus large autour de l'accessibilité qui est en train de se construire. Cette journée, en tout cas, se situe dans la lignée des consultations et des échanges déjà réalisés en 2020, que ce soit lors des différents échanges autour de la refonte du processus de dépôt qui a eu lieu au printemps dernier, où vous avez été nombreux à participer à notre enquête sur vos usages dans le cadre du processus qui est actuellement en œuvre, mais aussi lors de toutes ces séances d'information courtes, de ces Platon Info, comme nous les avons nommées, qui sont désormais menées régulièrement et auxquelles vous participez. Deuxième objectif, qui est pour nous de partager l'expérience du dispositif, pour le coup, de l'exception handicap, de le faire connaître, de faire qu'il fonctionne mieux dans le cadre légal tel qu'il est. Et ce sera tout le sens de l'intervention de Rodolphe Sellier au cours de cette réunion. Rodolphe Sellier, qui fait donc partie du ministère de la Culture, que de vous repréciser ce cadre légal dans lequel nous nous inscrivons. 10 ans, c'est bien jeune par rapport à tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui reste à faire, tout ce qui peut-être aurait pu être fait dans toute cette histoire de ces publics empêchés de lire. Mais 10 ans, du point de vue informatique, c'est déjà un âge vénérable pour une base de données, ce qui a conduit la BNF à programmer pour 2021 sa complète refonte informatique. Et Benjamin Goldenstein du département des systèmes d'information de la BNF vous présentera ce processus de refonte informatique qui a été lancé pour 2021. Ce sera très important entendre votre voix d'utilisateur de Platon, de ce que vous attendez de cette plateforme dans le cadre de cette refonte. Et nous serons très attentifs tout au long de ce processus de refonte à vous associer, à vous consulter. Et à bien des égards, cette journée utilisateur Platon d'aujourd'hui marque d'une certaine manière une forme de réunion de lancement de ce processus de refonte, en tout cas avec vous en tant qu'utilisateur présent ou futur. Et puis plus largement, cette journée, c'est bien aussi pour nous un temps d'échange pour vous parler de nos projets,
échanger sur nos contraintes, nous en avons quelques-unes, écouter vos retours, écouter vos suggestions, répondre à vos questions et d'une façon générale, mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et mieux répondre à cette mission qui nous tient tant à cœur. En tout cas, soyez assurés que Platon est pour le Centre Exception Handicap, mais beaucoup plus largement pour la Bibliothèque nationale de France, une vraie priorité de l'édition, de l'établissement pour soutenir cette plateforme telle qu'elle est, telle qu'elle pourra évoluer et pour soutenir plus largement l'édition adaptée dans toutes les instances où le sujet est abordé. Je voudrais terminer cette conclusion en remerciant l'ensemble des intervenants qui vont se succéder à cette tribune virtuelle, que ce soit nos collègues du ministère de la Culture, Rodolphe Sellier, Vanessa Van Etten, les équipes du département des systèmes d'information et toute l'équipe du Centre Exception Handicap qui assure l'animation et bien plus de cette journée. Et je voudrais remercier tout particulièrement Véronique Béranger, qui, avec l'appui de son équipe, a organisé contre vent, marée et virus contraire cette séance. Ça lui tenait particulièrement à cœur, comme à chacun d'entre nous, de vous réunir aujourd'hui. Je ne pourrais malheureusement pas rester sur la totalité de cette matinée, mais en tout cas, je formule tous mes souhaits de réussite et de succès pour cette session, en espérant que chacun d'entre nous nous y trouverons, mais je n'ai pas de doute là-dessus, toute la qualité des échanges que nous avons au quotidien les uns avec les autres. Je vous remercie.